plátano. Bonjour tout le monde, c'est moi, Hugo, et aujourd'hui je suis tellement en retard que du coup je décide de faire un gameplay amusant sur ce jeu là. C'est un jeu très attendu que je voulais parce que c'est... parce qu'il y a une banane, et aussi parce que... 100... balles... banane. C'est mes trois signes du bonheur, j'ai envie de vous dire. C'est comme le KKK, mais sauf que c'est le BBB. Sauf que le BBB c'est encore mieux que le KKK. Ouais, je vais pas dire que juste en... Et merde. Là, j'aurais donné les crédits avant tout. Ah merde, il va me spoil. La santé ne se régénère pas, pas des sites automatiques, elle esquive, les ennemis infligent d'importants dégâts, les ennemis réagissent. Ouais, bon, on va jouer la petite bite, comme on appelle dans le milieu. Hey, wake up ce focus, samouraï. Salut. Hey, du calme. C'est moi, Pedro, ton ami. T'étais dans les pommes. Ou plutôt dire, t'étais dans les bananes. je vais supprimer ma chaîne tout de suite. Ça va mieux? Combien j'ai deux doigts? Bon, oublie. Partons d'ici, où que nous soyons. Olé. Quel irresponsable. Un crétin a laissé traîner son pistolet. N'importe quel fou pourrait le ramasser et s'en servir pour faire n'importe quoi. Okidoki. Oups, c'est Mitch, le boucher. La viande est principalement constituée de rats, de pigeons ou de gens dont la tête lui revenait pas. C'est ce qu'on me disait à Paris par rapport à la recette du kebab. Soupir. Il vient vers nous. Tu vas devoir l'éliminer. Prêt? Ah. Ok, j'imagine qu'il va falloir tuer tous les autres maintenant. Tu es sûr de toi? T'inquiète, cette oreille s'installe presque toute seule. Il suffit de prendre ce truc et de le mettre là et... Oh non, il a une barrière, je ne peux rien faire contre lui. Oh. Je vois un A. Ahurissant. Ah la vache. Oh la vache, c'est un camping. Et hop là, un tonneau. Ok, bonjour. En fait, on aurait peut-être dû tourner à gauche. Je te parie un biscuit que tu peux papoter le ballon dans le panier. Ah ouais? Bam. Oups, j'ai mangé tous les biscuits. Merde. Merde, ça n'a pas marché. Ah, ça j'étais content de faire ce move là. Jusqu'à que je le foire. Attends. Regardez-moi ce move. Oh wow. Fais chier. Ça c'était beau ça monsieur. C'est beau patron. Elle est chargée et prête à partir. C'est pas trop tôt. Je veux voir ce fugitif transformé en viande hachée à mon retour. Bande de feignasses. Parfois, ces insultes me font du mal. Coup dur pour Pascal et Philippe. Deux amis, mais un patron très énervé et très insolent devant ses employés. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans 100% Mac. Oh là là. Oh là, la partie en moto, c'est pas mon truc, hein. Hop là. Va falloir faire profil là-bas à un moment. Direction le quartier zéro. On n'y croisera personne et on pourra rester là-bas le temps que les choses se tassent. Ah bah là, avec le patard de combo que j'ai fait quand même. Est-ce comme super génial. C'est Noël. Je veux le même poster dans ma chambre. Il est écrit bienvenue au réveillon de Noël du club des chasseurs de primes. C'est sympa cette petite fête. Heureusement qu'il n'y a pas de primes sur notre tête. C'est à ce moment-là que Pedro aurait dû fermer sa gueule. Joli, masque. Bon bah ça va alors. Ou pas. Quel fils de... Eh, fais gaffe, t'es dans ma prochaine ligne. Oh, 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 joyeux Noël, les petits. C'est moi, Papa Noël. Non, tu t'appelles Denis. Ah. C'est l'heure de la méga prime de Noël. La prime de cette année est toute fraîche, et elle est rôde dans les parages, à ce qui paraît. Mais, c'est lui. Si c'est ça, c'est pas un coup de bol. Dispersez-vous et ne laissez pas s'échapper. Oh, oh, oh. On peut laisser tomber le profil bas. Allons au bureau de Denis. Il voudra peut-être bien nous le dire si on demande gentiment. Gentiment, ça veut dire une balle dans sa face. Hop là. Non! Quel con! Somebody wants... Oh, du skate! Ouais!
Voilà. Espace. Hop. Allez, ça repart. Ah, c'était le vide. Merde. Oh. Et hop là. La remontada. C'est un bon métier, chasseur de primes. Je me demande s'ils font des tickets restaurants. Hop là, ça c'était joli ça, monsieur. Le skate. Bam. Tiens, dans ta face. Consternant. L'important c'est qu'on a une note quand même. Et au-dessus de D pour moi. Haha, regarde, voilà Denis. On va enfin découvrir qui a mis cette prime sur ta tête. Oh non, il m'a retrouvé. Oh non, il m'a retrouvé. Ah. Bizarre. Hello, motherfucker. Non. Oh. Ah ouais, il me tire même d'ici, quoi. Voilà. Arrête, mec. Laisse-moi tranquille. Attends, arrête, tire pas. Je suis juste le messager, mec. C'est ma sœur, Ophéa, cette obsédée du pouvoir qui tire les ficelles. Depuis qu'elle est devenue la dictatrice de l'internet, elle ne sort plus du site du serveur central. Elle arrache que tu es Miche le boucher. Notre pont a rien de père. Il n'y a que ce qui méritait à mes yeux. Ophéa a déclaré que tu devais crever, qui que tu sois. Une seconde. Tu serais pas. Non. Oh. Aïe, ça doit faire mal. D'ailleurs. Le sol se rapproche dangereusement. Prêt pour le grand plongeon? Respire. Tout va bien. Tu as travaillé dur. On a tous droit à une pause de temps avant ça. Fais pas attention au sol. Il se comporte étrangement depuis que j'ai redécoré les yeux. Ouh, les petits trous là. Non! Ah! Ça change un peu. Dis, pendant que tu es là, tu pourrais peut-être m'aider. Je suis envahi par les haters. Ils sont apparus un jour et ils ne sont plus jamais partis. Toujours à m'observer, à me juger, à m'envoyer de mauvaises vibrations. J'aimerais qu'ils disparaissent. On va aider un peu Pedro à enlever ses haters. Many months later. J'ai lu dans un bouquin de développement intérieur que l'activité physique a été la clé d'une vie plus heureuse. J'ai donc installé ces tampons senteurs pour m'entraîner de façon saine et ludique. Ah, hater! Lui, il a pas besoin de tampon. C'est pour ça qu'il doit s'envoler. Ouais, donc en quelque sorte, c'est comme dans les mêmes styles de jeu. C'est-à-dire, plus tu vas en bas et... Ah, attends, laisse-moi expliquer. Olé. Ça, c'était impressionnant, ça. Oh, putain. Boing. Non, je suis pas mauviette. C'est une stratégie comme les autres, hein. Ça passe cette nouvelle casquette de Team Fortress 2. Elle doit être rare. Génial. Tu as trouvé le vieux chapeau à hélice de mon oncle. Fais le tourner pour voir s'il marche encore. Ça plagie Super Mario Bros sur Wii, hein, moi je dis ça. T'as pas d'amis. Prends un curly, bâtard. Tu sais, la nouvelle pub de... T'as pas d'amis, prends un curly. Bâtard. Merci mille de t'être occupé des haters. J'aurais adoré t'avoir ici plus longtemps, mais on a d'autres chats à fouetter. Partons. Squalala. Il faut qu'on infiltre l'internet pour se débarrasser d'elle. Sauf si elle a NordVPN, évidemment. D'ailleurs, le savez-vous? Vous savez que cette vidéo est sponsorisée par SwiftVPN. Grâce au code promo chocolatine, vous pouvez avoir, c'est même pas un mois offert, vous avez au moins 3 mois offerts grâce à SwiftVPN. SwiftVPN, tends ta gueule, le Nord. Pas d'inquiétude, j'ai un plan. Traverse ce conduit d'égout, je t'expliquerai en chemin. Oh putain. Ce sont les plus hardcore des hardcore gamers. Personne ne sait pourquoi ils ont pris leur quartier dans les égouts. Il y a souvent un niveau qui se déroule dans les égouts dans les jeux violents. Et si sa tante peut être à l'aise... Oh putain. Lui il a joué à 3 à Mordo là, ça se voit. GG. Oh la vache. Non. Elle est très bizarre cette position que j'ai eue avec le monsieur. Lag. Ah bah. Je voulais que le premier tonneau tue lui, certes, ensuite le second tonneau sur lui, mais sauf qu'il est tombé sur lui. Attends, je... Ah, attends. Tiens. Est-ce que ça a tué quelqu'un? Non, même pas. Oh, si! Ah non, ça a juste... Noob. Ah bah, il a bien fait de m'insulter. Attends, je regardais comment ils vont être broyés, les gamers.
même pas. Et le jeu, je retire deux points déjà. C'était joli ça. C'était pas fait exprès, mais c'était joli. Oh, y'a une nouvelle arme, c'est ce que je voulais. Ils sont trop bien équipés. Regarde, y'a même un lance-grenade. Comment je fais le lance-grenade? Ok, ça marche comme ça. Oh, regarde, ils sont amis en vrai. Regardez, ils sont en bas là. Oh. Ces types font partie de la PS1. Voilà. Je vais faire un truc très drôle avec lui. Non! Ah putain, c'était très drôle, vous avez vu les enfants? J'ai mouru comme une merde. Attention, des mines! Maintenant, comment on est fait pour les esquiver? Non! J'étais trop content d'avoir fait ce truc. Mec, j'en peux plus de regarder ce levier. On m'en parle pas, hein. Ça fait des mois qu'on est là. Personne ne se rendra compte si on fait une petite pause. Tu penses quoi à ce que je pense? Je crois. Alors derrière, que je te montre d'autres techniques de correcter. Hein? Hey mec, le levier est abaissé. Nous rapportons les pièces que vous avez demandées à la base, madame. Excellent travail, soldat. Ah, c'est une féministe depuis le début. Bienvenue dans l'Internet. Ça a changé Internet, hein. Depuis que Antoine ne fait plus What the Scott, ça se voit, hein. Ouais, faut que je les casse. Oh d'accord, ça va me casser là-bas. J'ai une balle avec ton nom dessus. Je ne connais pas ton nom, mais sache que si c'était le cas, il serait inscrit sur une balle. Voilà, c'est pour ça qu'il faut jamais donner au nom à quelqu'un, les enfants. Merde. Merde. Le wifi est vraiment capricieux par ici. L'internet était bien plus fun avant que Kofeya se mette à la censurer. J'avais une playlist des meilleures vidéos de chat. Puis un jour, elle a été fermée pour cause de contenu inapproprié. J'imagine que Kofeya préfère les chiens. Okidoki. D'accord. Oh yes, le sniper. Merde. Il fallait que je saute dessus vite avant. En même temps, ça brille en jaune, donc je suis un peu attiré à savoir s'il faut que je... avant ou pas. Une seconde, impossible, ce serait toi. On va avoir des révélations à la fin, ça va être so épique. Nous verrons que c'est jeter le père depuis le début. C'est vraiment toi, n'est-ce pas? Après tout ce temps, ça fait si longtemps. Mais pourquoi au juste? Pourquoi tout ça? Pourquoi maintenant? Oh, ne l'écoute pas! Elle cherche à t'embrouiller, elle a peur. Te revoilà. Tu es revenu à la maison. Je t'ai reconnu, mon frère. Ça fait un bail, je n'étais pas sûr au début. Je sais qu'après l'accident, tout est parti en vrille. Je peux comprendre ta réaction. Mais toi, tu dois comprendre que je ne peux pas te laisser continuer. Mitch n'a jamais été un bon père pour nous, mais je lui ai reconnaissante de la voie qu'il a tracée pour moi. Quant à Denis, il n'a jamais été loyal envers quiconque, mais il occupera toujours une place dans mon cœur. Je m'amuserai bien que tu aies une belle pierre tombale. Ah la salope! Ouah! Ok, là ça va être un duel de sniper, moi je vous le dis. Tiens, tu as gagné mon frère. Alors, bon, j'ai peut-être pas été complètement honnête avec toi. J'ai jamais voulu te tromper, j'ai seulement fait ce que tu m'avais demandé avant d'enfiler ce masque. Il y a toujours eu un conflit antérieur entre ta nature profonde et les jacissements des membres de ta famille. Pendant longtemps, tu as suivi les ordres et commis les méfaits qu'on te dictait. Et un jour, tu as craqué. Tu as décidé de les empêcher de nuire et d'envoyer un message à quiconque serait tenté de suivre leur pas. Mais tu n'étais pas assez fort pour t'en prendre à ta propre famille. Tu t'es tourné vers moi. Tu avais besoin d'aide. Ensemble, nous avons élaboré un plan et inventé une histoire qui te motiverait pour faire ce que tu devais être fait. Tu as enfilé ce masque pour éviter d'être reconnu, puis nous nous sommes infiltrés dans le sous-sol de Mitch. Tu t'es assommé, tu as effacé ta propre mémoire. Et voilà, où nous sommes. Tu redoutais ta propre réaction une fois que tu aurais découvert la vérité? Il y a une dernière chose que je dois faire pour honorer ma promesse envers toi. Pardonne-moi. Oh. Non! Oh. Résiste! 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 Oh, j'ai gagné ou perdu? N'oublie pas, je vais te tuer seulement parce que je te l'ai promis. Et les vrais amis tiennent leurs promesses. Oh, je dois tuer Pedro! Ouah, c'est trop rigolo en vrai! Bam! Alors, on fait le moment là, hein? Ah, le salaud! Ouah, putain! Ah, je m'attendais pas à ça. Je suis
Désolé. Un bon coup de chez Soleil. Je dois dire enfin la vérité en face. Je suis pas n'importe qui. Je suis... une banane. Putain. Bon, en tout cas, j'espère que ce gameplay My Friend Pedro en entier vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le contenu vous a plu quand même. Et partager à vos amis qui n'ont pas encore terminé le jeu, comme ça, ça pourrait les faire spoiler. J'ai bien envie de sortir une musique vieille à banana, mais je suis encore plus taré que ça.